Alléluia. Mon bien-aimé Paul, je sens que tu es dans une joie. Je ne sais pas l'exprimer. Lève-toi. Je vois quelqu'un à côté de toi. Et on l'a couvert, on l'a voilé. On a caché son visage. Je ne sais pas réellement si tu le connais. Je ne sais pas si tu le connais. Si tu la connais ou je ne sais pas. Je vais te permettre de voir réellement si c'est celle-là pour qui tu nous as amenés ici. Ou bien c'est une autre personne. Alléluia. Donc vous allez préparer vos mains. Si dit que c'est elle, ta main doit être déchirée. Je vais contrôler les mains. Tu dois taper la main jusqu'à ça va rougir. Mais si dit que c'est pas lui, voilà. On sera désolé. Alléluia. Amen. Mon bien-aimé Paul. Nous vivons Paul. Garde ton souffle. Jamen, parce que quelque chose du genre est arrivé à Jacob. Jacob. Il a passé 7 ans. Et pour celle qu'il a aimée. Et la nuit. Ils l'ont trompé. Ouais, yo vogue donné. Yesin, ils l'ont trompé la nuit. Et ils vont lui présenter bon, y wa isé une autre personne. Non de vo to do tana wa zeni. Le matin, on s'en va. Ah ah. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et d'ajo. Isé wa imo. Donc toi aussi. Pour que tu ne sois pas victime de la même chose, tu vas voir si c'est celle-là pour qui tu es allé supplier la famille en promettant si elle était, tu vas voir si c'est réellement elle qu'on a mis à côté de toi. Alléluia. Donc tu vas passer légèrement pour lever ce qui a voilé son visage. Alléluia. Alléluia. Préparez vos mains. Est-ce que c'est elle? Je confirme que c'est bien elle. Alléluia. Alléluia. Ma fille.
Voilà quelqu'un qui est venu enlever ton voile. Je ne sais pas ce qu'il veut faire de toi. Est-ce que tu le connais? Oui, je le connais. Alléluia. Dis-moi réellement si c'est lui. Ou bien, allô. Oui, c'est lui. Acclamez pour Jésus. Mon bien-aimé Paul. Aujourd'hui, le ciel est témoin de ce qui va se passer. Toutes les entités spirituelles sont témoins et voient ce qui va se passer. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça ne va pas marcher? Jésus-Christ a déjà certifié que ça a déjà marché. Alléluia. Alléluia. Tu vas me dire, devant le peuple de Dieu, ce que tu ressens pour elle, le peuple de Dieu sera témoin. Et demain, on sera aussi témoin. Donc tu vas dire ce que tu ressens pour elle. Quand Salomon a vu cette fille, il ne sait plus quel poème chanter. Je vais entendre les mêmes chants. Mais, Amen. Voyez comment on clappe. Jésus. Ouais, voilà. Oh, on se positionne d'abord. Mon cœur. Mais si c'est vrai. J'étais comme une biche qui errait, qui avait soif, qui cherchait l'eau. Bon, c'est classé, mais bon, l'eau, si on parle, qui allait en espérant trouver un couteau. Et j'ai parcouru, j'ai résisté parce que je tenais. Je tenais à me rapprocher. Je tenais à demeurer près de cette eau. Voici, un jour, quelque chose va se passer. Ce qui s'est passé, j'ai cherché à décrire cela. J'ai essayé. Mais je n'ai pas trouvé les mots qu'il faut. J'ai cherché dans l'alphabet français. Je n'en ai pas trouvé. J'ai crié vers le ciel. J'ai dit Saint-Esprit. Oui. J'ai dit Saint-Esprit. Saint-Esprit. Aide-moi. Qualifie. Parce que cette source d'eau, je l'ai trouvée. Et j'ai soupiré. J'ai soupiré.
J'ai soupiré. Et j'ai dit, comment vais-je appeler cette souste? J'entendais au fond de moi une voix qui me dit, mon fils, tu as été patient, tu as persévéré. Voici ta gazelle de Sion. La gazelle de Sion. J'ai voulu m'exploser de joie. Bon, mais les gens me trouvaient comme un fou. Comme un insensé. Est-ce qu'il a bien vu? J'ai très bien vu. Mon et j'ai dit, Seigneur, je resterai toujours auprès de ces sous-tons pour te servir. Amen. Voyez, quand le poète a chanté les chants, sa bien-aimée aussi a répondu. Voilà les chansons, ma fille éternité. Qu'est-ce que tu ressens devant ces chants poétiques rempli de fleurs? My beloved. Donnez-moi le volume. My beloved. Les mots me manquent. Vraiment pour exprimer ce qui se passe dans mon cœur. Je vais juste dire la parole de Dieu. Ma aussi quoi nous dit donne-moi bodo d'être soumise à notre époux, notre mari, ton lait. Et c'est ce que je te dois. Bon, nous et le plus grand cadeau. Bon, nous n'aimons d'arroudé au-delà de tout. De tous les mots romantiques, c'est d'accomplir la volonté de Dieu. Et je prie le Saint-Esprit de m'aider à accomplir tous les vides dans ton cœur. Et je prie le Saint-Esprit de m'aider à accomplir tous les vides tous les jours de ma vie, tous les jours de ta vie, jusqu'au retour de Jésus-Christ. Alléluia! Ça, c'est la réponse à la déclaration d'amour de notre bien-aimé Paul envers sa gazelle de Sion. Alléluia! Le ciel est témoin de vos déclarations. Et pour que nous puissions certifier cela comme une alliance entre le ciel et vous, nous allons utiliser ce que Dieu a utilisé dans le jardin pour sceller
Adam et Ève. Pour cela, Adam et Ève, Dieu n'a pas cherché une bague. Dieu n'a pas allé prendre un objet. Mais il a utilisé sa parole. Et il a prononcé de sa bouche sa parole. Et sa parole a lié Adam et Ève dans le lien du mariage. Donc, pareillement, vous allez prononcer Apôtre Paul, apôtre Paul, tu as chanté les belles mélodies envers éternité. Non, éternité. Le Seigneur a pris acte. Maintenant, il veut une déclaration qui va écrire dans son livre au ciel. Et chaque fois, tu vas te souvenir que tu as dit ces paroles devant lui. Donc tu vas prononcer le vœu de fidélité, le vœu de prendre soin de l'éternité pour toujours. L'aimer comme la parole le demande. Veillez sur elle. Être son protecteur en toutes choses. Tu as la parole. Je m'engage devant le ciel, devant le trône de Dieu, devant ses anges, devant l'ennemi et devant les hommes, à être fidèle, à t'aimer, à te protéger, à veiller que cette famille que le Seigneur nous donne à partir de ce jour a pris soin d'elle. Et je sais par ce moment solennel l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, le meilleur conseiller, le meilleur avocat, le meilleur protecteur, nous assistera. Amen. En éternité, nous venons en éternité. Voilà l'engagement que ton bien-aimé a pris devant le Seigneur. Et le ciel a pris note. Le ciel a validé. Et toi aussi, tu vas prononcer à ton tour le vœu de fidélité, de soumission, de respect et de tout ce que le Seigneur veut pour toi en tant que femme. Pour Paul. Non, Paul, tu as la parole. Moi, éternité, je m'engage à te respecter, à être soumise, à t'assister, te compléter, t'aimer surtout dans les hauts et dans les bas moments.
Je m'engage aujourd'hui devant Dieu et devant les hommes d'accomplir la volonté de Dieu dans tous les moments jusqu'au retour de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Marc chapitre 10. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur a pris note de ses paroles. Et dès qu'il est dit dans sa parole que l'homme ne sait pas point ce que Dieu a uni. Alors, par ses paroles, le peuple de Dieu va se tenir debout. La gloire de l'Éternel est ici. Il y a la victoire partout. Les enfants de Dieu s'assemblent. La gloire de l'Éternel est ici. Elle est là. Elle est ici. Elle est ici. La gloire. De l'Éternel est ici. Alléluia. Il y a la victoire partout. Les enfants de Dieu s'assemblent. La gloire de l'Éternel est ici. Je la vois. Elle est ici. Elle est ici. La gloire. La gloire de l'Éternel est ici. Alléluia. Il y a la victoire. Les enfants de Dieu s'assemblent. La gloire de l'Éternel est ici. Seigneur, grand Dieu, grand roi. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac. Dieu de Jacob. Jacob aussi, Mao. Avant que toute chose n'existe, c'est toi qui as parlé. Et chaque chose a existé. C'est toi qui as ordonné au ciel et la terre d'exister. C'est toi qui as ordonné au soleil, la lune d'exister. C'est toi qui as ordonné le vent, la mer, le poisson, les animaux et toutes choses d'exister. Et ils ont obéi. Et c'est toi qui as décidé de créer l'homme et de lui confier tout ce que tu as créé. Mais au milieu du jardin, tu as vu que l'homme était seul. Et tu as décidé de créer une aide semblable. Et tu as insufflé en l'homme un sommeil profond. Et tu as pris
l'une de ses côtes pour en former une autre créature humaine que tu as présentée devant l'homme. Tu as pris une côte de pain pour former éternité que tu as présentée devant lui. Paul a vu et son cœur est rempli de joie. Et il a prononcé des vœux comme Adam avait prononcé des paroles en disant: celle-ci, on l'appellera femme parce qu'elle est tirée de moi. Oh Seigneur Jésus, la même chose se passe en ce moment où tu as pris une côte de Paul pour former à l'éternité. Il a vu et il est rempli de joie. Seigneur Jésus, que cette joie déborde dans son âme d'éternité en éternité. D'éternité en éternité. D'éternité en éternité. Que en éternité soit toujours un sujet de joie dans la vie de Paul d'éternité en éternité. Seigneur, quand il l'a vu, il a pris l'engagement de prendre soin d'elle, de la protéger, de l'aimer, de la nourrir, de prendre soin d'elle, de la vêtir. Seigneur, il a promis de lui être fidèle. Seigneur Jésus, je prie que ces paroles qui sont prononcées de son cœur, de sa bouche, soient inscrites dans le livre de souvenirs au ciel. Que ces paroles soient certifiées. Seigneur Jésus, à tout moment, tu lui rappelles ces paroles. Tu lui rappelles qu'il a promis devant ton saint trône d'être fidèle à sa femme. Seigneur Jésus, ta fille, elle a répondu de la même, de demeurer fidèle, de demeurer soumise, d'aimer son mari. Seigneur Jésus, elle a promis d'être fidèle comme une épouse. Seigneur Jésus, que ces paroles soient inscrites dans le livre de souvenirs. Papa, à partir d'aujourd'hui, nous proclamons que les deux devienne une seule chair devant toi. Devienne une seule chair devant toi. Devienne une seule chair devant toi. Seigneur, quand tu les vois désormais, tu les vois comme une seule personne. À tout moment, que les deux vont fléchir les genoux et ouvrir les mains vers le ciel, que le ciel les répond. Que le ciel s'ouvre dans leur vie. Seigneur Jésus, Papa, je te prie d'ouvrir les écluses du ciel et de faire jaillir la pluie de bénédiction sur leur vie. Seigneur Jésus, Papa, je te prie de faire couler dans leur cœur la pluie de bénédiction, la pluie de paix, la pluie de joie, la pluie d'amour, la pluie d'amour, la pluie d'amour, la pluie d'amour, l'amour débordant, l'amour qui déborde dans leur cœur, dans leur âme, dans leur esprit. Seigneur, tout esprit de famille qui va se lever pour tenter de les séparer, que la terre les avare, la terre les avare, la terre les avare, la terre les avare. Tout esprit de Jézabel qui va s'introduire dans le foyer pour créer des crises dans le foyer, pour créer mésentente dans le foyer, que la foudre de l'Éternel descend et là-bas. Oh non, de Jésus, Seigneur, je proclame que le cœur de Paul
soit circoncis, soit fasciné, soit fermé à toute autre fille du monde. Au nom de Jésus-Christ, que le cœur de Anne Éternité soit fermé, soit circoncis, soit vacciné contre toute entrée d'un autre homme dans son cœur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus, papa, tu les bénis. Tu les donnes. Des enfants, des jumeaux, des jumeaux, des jumeaux et des jumeaux, des jumeaux et des jumeaux, des jumeaux et des jumeaux. Au nom de Jésus, tu vas leur donner des enfants bénis par leur union. Des grands serviteurs vont venir sur cette terre. Tu vas faire passer des prophètes par eux, des pasteurs par eux, des évangélistes par eux, des docteurs par eux, des apôtres par eux, des chantres par eux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus, cette année ne finira pas. Ils viendront faire action de grâce. Avec grossesse. Avec bénédiction. Avec des bébés. Des bébés dans leurs bras. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus, ce que tu as commencé, tu n'as pas encore fini. Tu as encore de grands projets pour leur vie. C'est pourquoi je déclare, tout ce que leurs mains toucheront reçoit bénédiction. Tout ce que leurs mains toucheront soit béni. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout esprit méchant qui va tenter de franchir leur foyer, qu'il soit éclaboussé au nom de Jésus. Que leur foyer soit marqué de ton sceau. Que leur foyer soit marqué du sceau de l'agneau. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, par eux, tu vas impacter cette génération. Tu vas faire de un couple modèle. Tu vas faire de un couple de serviteurs. Tu vas faire de un modèle pour cette génération. Leur vie va évangéliser. Leur vie de couple va évangéliser. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie. Ta lumière brille dans leur vie. Ta lumière brille dans leur foyer. Ta paix règne dans leur vie. Et je prie maintenant que le Saint-Esprit les scelle. L'Esprit de Dieu les scelle. Le Saint-Esprit les scelle. Le Saint-Esprit les scelle. Le lien du Saint-Esprit les unit maintenant. Le lien du Saint-Esprit les unit maintenant. Les unit maintenant. Les unit maintenant. Les unit maintenant. Les unis maintenant, 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 les unis maintenant. Quand j'ai prié. Quand j'ai crié, mon Dieu m'a entendu. Mon Dieu m'a répondu. Son nom est Elishama. Elishama. Elishama, Elishama, oh. Mon Dieu m'a entendu. Alléluia. Mon Dieu m'a répondu. Son nom est Elishama. Elishama. Répondu, son nom est
Seigneur, je prie que l'onction d'amour commence par couler dans leur vie. Que l'onction d'amour commence par couler dans leur vie. L'onction d'amour commence par couler dans leur vie. Que ça coule maintenant. Que ça coule maintenant. Que ça coule. Ça coule par la puissance du Saint-Esprit. 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 Seigneur Jésus. Merci, Papa. Merci d'avoir certifié ce mariage. Merci d'avoir oint ce mariage. Merci d'avoir consacré ce foyer. Merci d'avoir consacré ce couple. Désormais, tu es leur témoin. Tu les conduis. Tu les guides. Tu leur parles. Tu te révèles à eux. Dans leur prière. Dans leur méditation. Dans leur adoration, dans leur louange, tu leur parles. À partir de maintenant, le ministère de ton serviteur, ça va à une autre dimension. Ça va à une autre dimension. L'onction qu'il n'avait jamais expérimentée, cette onction maintenant, coule dans sa vie, coule dans son ministère. Ce qu'il ne pouvait jamais imaginer, il commence par le faire maintenant. Il commence par le faire maintenant. Il commence par le faire maintenant. Et tu fais de ta servante une femme de feu. Une femme de prière. Une femme de feu. Une femme de prière. Une femme de feu. Une guerrière. À côté de ton serviteur. À tout moment qu'elle va fléchir les genoux. Que le ciel sauve. Seigneur, merci. Que toute la gloire te soit rendue. D'éternité en éternité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Au plus haut des cieux, au plus haut des cieux, oh. Au plus haut des cieux, au plus haut des cieux, au plus haut des cieux, Dieu Tout-Puissant. Ah. Au plus haut des cieux, tu tiens ta bien-aimée dans tes bras. Au plus haut des cieux, et vous allez vous diriger cieux, vers Dieu le registre d'or au plus haut des cieux, 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 Dieu Tout-Puissant. Ah, au plus haut des cieux. Au plus haut des cieux, au plus haut des cieux, au plus haut des cieux, Dieu Tout-Puissant. Alléluia. 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 Alléluia, 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 chantez, alléluia, 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 alléluia. Alléluia, tu tiens ta bien-aimée dans tes bras.
au plus haut des cieux, 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 Dieu tout-puissant. Au plus haut des cieux, 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 Dieu tout-puissant. Alléluia. Alléluia. Maintenant, les chantres vont nous donner une chanson avec laquelle les bienheureux vont nous esquiver quelques pas de danse. On va voir la bien-aimée en train de danser dans les bras de son bien-aimé. Alléluia! Et le peuple va les accompagner. Tout le monde se tient debout. Alléluia! Mariage. Alléluia. Oh oui, réjouissons-nous. Que c'est beau le mariage. Alléluia. Si nous faisons la volonté de Dieu, que c'est beau. Que c'est beau le mariage. Oh oui, réjouissons-nous. Que c'est beau le mariage. Oh oui, réjouissons-nous. Que
jour. Oh oui, réjouissons-nous. Vive les mariés. Que c'est pour le mariage. Gloire à Jésus. Nous acclamons. Nous acclamons le Seigneur.